Après une journée de paralysie, les activités ont timidement repris en ville de Beni ce jeudi. Mercredi, des jeunes réclamant plus de sécurité à la démission du maire de la ville, Nyoni Bwanakawa, ont perturbé les activités en barricadant et en allumant le feu sur les acteurs principaux de la ville. Annoncé officiellement sur les réseaux sociaux en début de semaine, c'est finalement ce jeudi que le comité de coordination a officialisé la démission du général Ami Sikumba dit Angofort à la tête de l'ANSV Club de Kinshasa. La nouvelle a été annoncée ce matin par son porte-parole, le docteur Patrice Noah. Cette démission intervient 13 ans après son arrivée à la tête de cette formation sportive de la capitale. La reprise s'est faite constater dans le secteur des transports et commercial. La circulation a repris en ville, les boutiques, magasins et autres maisons de commerce ont ouvert les portes depuis l'avant-midi. Mardi, des échauffourées entre la police et les jeunes de groupes de pression ont éclaté à Beni. Des barricades étaient visibles sur la voie publique. C'est autour de ma campagne, Matongé et Ntindi, qu'on a décelé des foyers de manifestation où de grands feux étaient allumés. La police n'a pas tardé à disperser les manifestants pour rétablir l'ordre public. Ça n'est suivi des jets de projectiles. Au moins 12 manifestants ont été interpellés lors de cette manifestation, mais cette information n'a pas été confirmée ni affirmée par les polices de l'ordre. En conséquence, les activités socio-économiques sont restées paralysées. Cette manifestation est intervenue au lendemain de la mise à terre des jeunes Freddy Marcus, tué dans une autre manifestation réprimée par la police pour les mêmes faits, protestation contre la résurgence de sécurité à Beni. Le prix des arachides a également pris de l'ascenseur, comme il en est le cas pour plusieurs autres produits actuellement sur le marché. La mesure qui s'est négociée auparavant au prix de 450 ou 500 francs congolais se vend de nos jours entre 1200 francs et 1500 francs d'après les constats réalisés ces jours au centre-ville. Cette variation des prix est liée à plusieurs facteurs, entre autres l'instabilité du taux d'échange de ces vendeurs. La hausse du prix des arachides est due à l'instabilité du taux d'échange. C'est aussi une difficulté pour les agriculteurs. Nous demandons aux autorités compétentes de réglementer le taux d'échange. Les clients ne viennent plus, ils ne sont plus habitués au prix. Tout est devenu cher. Que les malfrats sortent des maquis pour que la population cultive leurs champs afin de faire une grande production agricole pour que nous vendions à un prix abordable. Nous avons une carence des clients ici au marché. Ils se plaignent du taux d'échange. Que les habiles parlent à notre nom. Le détaillant, lui, de son côté, maintient la même mesure et adapte plutôt les prix aux conditions économiques du moment. Nous vendons l'arachide, c'est cher. Une quantité de 50 francs, c'est 100 francs. Les prix actuels sont 100 francs, 200 francs et 500 francs. Pour résoudre les problèmes, les vendeurs des arachides demandent aux services habilités de restaurer la sécurité dans les zones où se cultivent ces produits agricoles et de stabiliser les taux d'échange. Ici, c'est la cuisine de Mama Georgette, en cellule matinguenezo au quartier Moutiri. Cette dame utilise le brasero à copeaux depuis plus d'une année pour préparer la nourriture de sa famille. Elle vante cette énergie pour son économie. Avec les copeaux, elle dépense moins qu'elle devait le faire avec du bois. On a joué au kipigana, on a déjeuné, on a pigana dîner, on a pigana soirée. Si vous préparez le déjeuner, le dîner et le souper, vous pouvez utiliser un sac en 3 jours. Grâce aux copeaux, j'utilise les bois de 7000 francs pendant un mois. Les copeaux sont une moindre dépense. Par exemple, les braises de 1000 francs ne peuvent pas cuire les haricots. Mais les copeaux avec les bois de 1000 francs aident à la cuisson pendant plus de 2 jours. Mais kuni ni kuza koni ya 1000 francs. Les feux au copeaux est facile à allumer au brasero. Georgette ne prend que quelques minutes pour faire son feu.
Pour allumer le feu, je place un bois au milieu du brasero et j'introduis un autre à la place du bois. Ensuite, je charge le brasero des copeaux que je comprime jusqu'à ce que la charge soit solide. Une fois cet exercice terminé, je retire d'abord les bois du dessus, ensuite les bois d'à côté, afin que je dégage les cheminées pour allumer les feux. Quant à l'utilisation de ces rognures des planches de menuiserie pour le feu de cuisine, elle reste simple, affirme maman Georgette. Il faut bien mesurer la quantité de copeaux à utiliser pour une préparation pour éviter que le feu s'éteigne avant la cuisson. Avant d'allumer le feu, assurez-vous que vous avez apprêté tous les condiments, le poireau, la tomate, parce que si vous ne les faites pas avant, l'huile sera prête trop tôt. Les menuisiers se disent soulagés quant à la question d'évacuation de déchets de leurs ateliers. Jadis inutiles, ils se réjouissent que ces restes de planches soient aujourd'hui recherchés dans la société. Après le travail, on brûlait ces copeaux. Aujourd'hui, les femmes viennent les prendre. Cela a été soulagement pour nous. À Boutembo, l'économie des bois assurée par l'utilisation des rognures de planches, appelées copeaux, pourrait contribuer à résoudre, tant soit peu, les problèmes de déboisement dans les entités environnantes. La communauté internationale commémore chaque 28 mai la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Le Fonds des Nations Unies pour la France, UNICEF, estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante. Constituant encore une question taboue dans notre société, une experte en santé explique les origines de ces interdits autour des règles. Quand elle servait à l'église pendant les menstruations, on lui interdisait à le faire. Elle était considérée exclue de toute activité de la communauté. Jadis, la femme ne pouvait non plus sortir de la maison de peur de transmettre aux autres son impureté. Autre chose, la femme ne pouvait même pas préparer du repas pour son mari, car ce repas était considéré comme porteur de malheur. Elle ne pouvait pas sortir de la maison, car elle était mise à part à cause de ses menstruations. Autre chose, elle ne pouvait pas partager un seul lit avec son mari pour éviter d'apporter du malheur à son travail. C'était le mythe. Tu ne pouvais pas siéger même avec les autres, car considéré mis à part. La période menstruelle exige une propreté accentuée afin d'éviter les infections, le sang étant un milieu favorable pour le microbe. Donc, il y a trois raisons pour lesquelles on a insisté pour l'hygiène pendant les règles. Tu n'as pas quoi? Il y a trois raisons qui nous poussent à insister sur l'hygiène pendant les menstruations. Premièrement, les microbes se développent facilement dans le sang. Deuxième raison, à la place d'être acide, le vagin devient alcalin. Troisième raison, à la place d'être serré, le vagin devient là. C'est pourquoi nous devons accentuer la propreté pendant cette période. Il y a trop de risques d'être infecté pendant les menstruations. Certaines femmes sentent des chatouillements pendant la période de menstruation, contrairement à leur période normale. Tandis que ma période normale est à Bawashi. Kuko, trois causes.
L'instauration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle remonte à 2014. Son but est de rompre le silence et à diffuser les formations pour permettre à la société en général et à la communauté scolaire en particulier de communiquer et échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. Le président de la coordination de l'association sportive Vita Club, le général Gabriel Amissi, a officialisé sa démission à la tête de V Club. La nouvelle a été annoncée le matin de ce jeudi 28 mai par son porte-parole, Dr Patrice Moa. Cette démission intervient 13 ans après son arrivée à la tête de cette formation de la capitale congolaise. Annoncée officieusement sur les réseaux sociaux au début de la semaine, c'est finalement ce jeudi que le comité de la coordination a officialisé cette démission. Le terme utilisé par le porte-parole de Gabriel Amissi dit Tango Fort est, je cite, « Il a pris sa retraite à la tête de l'AS Vita Club après avoir informé le Conseil suprême en attendant l'élection du nouveau comité de la coordination. » Fin de citation a-t-il déclaré à la presse quinoise. Tout en restant avec le bien, le général Amissi attend l'élection du nouveau comité pour passer le flambeau. Cette démission pourra être examinée par le Conseil suprême qui décidera par la suite de l'accepter ou de la rejeter. Le bilan du général Gabriel Amissi chez Vita Club depuis 2007 se résume à 3 titres du championnat national de la Linafoot en 2010, en 2015 et en 2018 et 2 finales non remportées en compétition africaine de l'interclub de la CAF, à savoir la Ligue des champions en 2014 et la Coupe de la Confédération en 2018. Baada ya siku moja bila kazi, shughuli zimeanzishwa kwa baridi hivi Alhamisi mjini Beni. Siku nzima hapo Jumatano, vijana walikuwa wakiomba kuimarisha usalama katika mji wa Beni.